Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo 24 heures dans ma vie avec mon chiot. Je me retrouve dans ma salle de bain, donc je mets soin en même temps parce que je viens me préparer pour la balade du matin. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas vu les deux dernières vidéos, avec mon copain, on a adopté un chiot, un bébé braque français qui est trop mignon. Vous l'avez vu juste avant. Là, ça fait un moment que j'ai pas sorti cette vidéo parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte que ça allait me prendre autant de temps. Et en plus, il y a eu les examens de fin d'année, les diplômes que j'ai été voir, j'ai testé au diplôme et tout. Donc du coup, j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos. Donc du coup, je vous prends aujourd'hui dans une journée type avec notre petit chiot. Sachant que là, on est encore en vacances, donc d'ici un mois, on va reprendre les cours tous les deux. Donc ce sera un autre rythme. Voilà. Hop. Si vous voyez que j'ai un bleu là, c'est parce que on a été en vacances chez ma belle-sœur qui a un bosseron, je vous en avais parlé dans une des dernières vidéos. En jouant sans faire exprès, il m'a sauté dessus et je me suis pris sa petite dent dans le nez. Donc du coup là j'ai un bleu, là ça a dégonflé mais c'est super gonflé, ça me faisait mal et là ça va mieux. Donc voilà, j'ai filmé un vlog quand on est parti dans le sud, mais j'ai filmé que la route en arrivant après... Bah, dans ma belle famille, j'ai pas pris ma caméra et tout, donc du coup j'ai des rushs. Mais genre j'ai que les rushs de la route aller, donc 2 jours dans la voiture. On avait pris un hôtel et tout, donc j'ai juste ça. Je sais pas si je pourrais en faire quelque chose, si ça vous intéresse. Je pourrais peut-être essayer de faire un montage avec ça pour voir si je peux en faire quelque chose. Mais voilà, je sais pas. Donc dites-moi ça. Ça me fait trop bizarre là de filmer parce que du coup ça fait longtemps que je l'ai pas filmé en réalité. Donc c'est trop bizarre. Je vais essayer de filmer au mieux et tout machin les balades. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait une balade le matin, une balade le soir. Donc du coup ce matin on va au bois, après on va faire des courses. Après ce soir on ira au parc. Là je suis me préparer et je me maquillerai dans la voiture. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo mais on avait acheté une caisse de transport. Et je vous avais dit on le laisserait toujours pour le bus. Et en vrai du coup on la laisse ouverte comme ça sur nous. Comme ça sur la route, lui il est bien, il est dans son petit truc et il adore sa caisse. Genre des fois on est dans la voiture avec lui et on l'ouvre quand on rentre de balade et il est posé comme ça et il veut pas sortir de sa caisse. Hein le bus avec ta tête de malheureux là. Quand il prend une demi-heure, peut-être qu'il faudra que 5 fois tu vois. Ouais. Ça ira beaucoup plus vite. Comme des dingues, il adore. Oh. Ouais.
Là, du coup, on est arrivé dans un bois à Sente, dans le Nord. Il y a Alus qui m'attend. Il avance avec Enzo. Enzo qui est mon copain, ils sont là-bas. Donc je disais, on est arrivé au bois. En fait, à côté de Sente, dans le Nord, il y a un bois à côté d'un truc qui s'appelle le Parc Mosaïque. Donc c'est pas dans le Parc Mosaïque, c'est à côté, c'est un bois qui est à côté. Et on aime trop venir ici parce que déjà c'est hyper calme. Les gens sont super gentils et super cool. Comme je vous disais, on essaye de faire beaucoup de nature avec Albus. On a de la chance parce que dans le Nord, il y a pas mal de trucs en vrai. Dans les web et tout machin. Les web, c'est genre la campagne, c'est une partie de la campagne du Nord. Il y a plein de bois et tout machin qui sont accessibles aux chiens et tout, donc ça c'est trop cool. Et je vais vous montrer comment on a fait pour le rappel, parce qu'en gros pour le rappel, on a appris le rappel à Albus en jouant en cache-cache. Donc on se cachait dès qu'il partait un peu loin, on se cache derrière un arbre et on l'appelle et tout. Et c'est comme ça qu'on a appris le rappel. Et du coup c'est un truc qu'on travaille tous les jours pour être sûr qu'il l'est. Et regardez, là il arrive comme une flèche. Ah, et donc voilà, et ce qu'on aime bien faire aussi quand on vient dans les bois, dans les endroits naturels, c'est de lui courir après parce qu'il adore, il adore qu'on lui court après. Et là il voit que je suis là et qu'il y a Enzo là-bas, donc du coup il se met entre nous deux et il chouine parce qu'il croit qu'il doit choisir alors que non. Je vais vous montrer. Ouh là là, Albus, assis. C'est bien assis. Enfin bref, donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on fait nature, et quand on fait nature on fait vraiment plein de trucs avec lui, et on le laisse aussi tranquille quand on fait des balades en nature pour qu'il puisse sentir plein de trucs, découvrir plein de trucs par lui-même et tout. Et après on essaie de faire aussi parc à chiens pour qu'il soit hyper sociable avec les chiens et qu'il n'y ait aucun problème. Et du coup on essaie de faire parc à chiens tous les jours et de la nature tous les jours. Et comme ça, quand on est au parc à chiens, c'est plus de la dépense physique qu'intellectuelle comme en forêt. Donc du coup, c'est que du jeu avec les chiens. Et c'est quand même de la dépense intellectuelle, hein, parce qu'il apprend plein de trucs. Enfin, entre chiens, ils apprennent plein de trucs, donc c'est quand même de la dépense intellectuelle, mais c'est pas pareil. Donc voilà. Faut que je mette la ceinture et en même temps je tiens la caméra. Du coup là on va aller faire les courses. On doit passer à Max Iso acheter les croquettes d'Albus. Et ensuite on va faire les courses, bah nos courses à nous. Par contre moi je me suis fait piquer. Mais je suis allergique, mais je me fais pas piquer tout le temps. Faut acheter du produit, tu sais, à mettre sur les jambes. Du... Je sais pas, la crème. Non, tu sais, il y a du shit là. Ah, du truc pour les moustiques, mais ça marche pas, ta soeur elle m'en a filé, ça marche pas. Ouh. Mais du coup je me fais piquer et je sais pas par quoi, enfin je pense à des moustiques mais c'est pas des moustiques classiques je pense, parce qu'à la maison je me fais piquer par des moustiques et j'ai pas de problème. Et sur mes bras et tout machin j'ai rien, par contre sur mes jambes ça fait des trucs de malade, on dirait que je me fais piquer par des aliens. Et quand on était parti dans le sud, j'avais un peu filmé sur la route parce qu'à la base je voulais faire un vlog, mais finalement j'en ai pas fait. Je crois que je vous l'avais dit ce matin. On avait fait une balade avec Albus sur la route jusque dans le sud, dans un bois qui était sur la route. Je m'étais fait piquer et j'avais fait une réaction allergique. Et je vais vous montrer, je vais vous mettre les rushs à l'hôtel. J'avais filmé pour vous montrer. Je vous montre juste, je sais pas si on va voir. Tout ça en fait. C'est énorme. J'ai jamais une réaction comme ça. Ouais, ça fait genre un gros rond là. Et là j'en ai fait piquer, donc dans les jours à venir c'est sûr que ça va gonfler, donc je suis deg et j'ai très mal. Coucou Albi. Coucou, il réfléchit? Non, il nous regarde, il regarde la caméra, il dit c'est quoi ce truc qui me filme depuis ce matin. Il est posé.
On est rentré à la maison. On a été faire des petites courses. Donc là, je vais ranger les courses. Et je vous ai pas montré ce qu'on a mangé ce midi parce qu'en allant faire les courses, on a pris des sandwichs chez la boulangerie qu'il y avait à côté. Donc du coup, je vous ai pas montré, mais on a mangé dans la voiture et tout machin en vitesse parce qu'on a plein de trucs à faire cet après-midi. Donc voilà, faut que je travaille à fond sur mon mémoire et tout. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris aux courses. Ça, c'est tous les fruits et les légumes pour la semaine. Et bien sûr, chocolat noir, des pains au lait et des olives pour faire des petites salades grecques. J'ai fait un test de barres de céréales. C'est des barres de céréales maison que je fais avec genre des galettes de riz et tout machin. Donc si ça vous intéresse, dites-le-moi et je vous ferai la recette. Je vais tester et franchement c'est trop bon, ça marche trop trop bien. Donc je suis trop contente. Et donc là il faut que je range tout. Là, il y a du poulet, du cheddar, de la feta, des gros corniches parce que vous connaissez ma passion pour les gros corniches. J'ai pris 4 maïs aussi parce que j'ai fait une recette de soupe de maïs genre un peu à l'américaine avec du poulet grillé et tout. C'est trop trop bon. Et pour monsieur Albus qui vient de rentrer de sa petite pause pipi, on va dans la résidence. Qu'est-ce qu'il mange? Un bout d'hamburger. Un bout d'hamburger qu'il a trouvé par terre dans la résidence. Et je vais mettre mes gros doigts dans sa bouche. Eh oui monsieur, un petit bout d'hamburger. Du moins 4 volants. Est-ce que c'est la nourriture pour un petit chien, un petit bout d'hamburger? Non. Alors pourquoi on mange du hamburger? J'ai eu au moins 4 langues, je pourrais pas te même. 4 langues. Je disais, pour Auguste, on a pris un pâté. Parce qu'on fait des Kong ou des tapis de léchage, des Tantastiques, mais Edgar Cooper. Et des friandises. Je crois qu'ils vont en avoir eu. Vous avez déjà eu plein de choses aujourd'hui. En plus, il a mangé tard. Il a mangé tard. Il a tapé de léchage. Eh oui. Et ce soir, il va pas manger. On le connaît, leur petit. On le connaît, leur petit. Je vais ranger les courses et je vais me mettre dans la chambre et je vais bosser sur mon mémoire. Pendant que Albus il va rester dans le salon avec Enzo. Donc voilà, là il va dormir je pense quand même au moins toute l'après-midi. Voilà. J'ai juste mis un t-shirt. Let's go. Se balader, nous. Ça va être l'heure de la balade. Oh là, c'est la grosse fatigue. On va aller en balade. Oh, il pue la bouche, mon gars. Oh. Ah, bah oui, il perd ses dents. T'abuses pas. Oh, voiture. T'as vu, il lui manque des moustaches. Bah ouais, parce que Huguette, elle lui a arraché. Guette, elle t'a rangé des moustaches, mon loup. Allez, on s'habille, c'est parti. Oui, je me dépêche. Parce que je dois me rhabiller, du coup. Le petit. Et voilà, il est toujours comme ça. Avant de partir, il se met comme ça, comme si qu'il était triste. Il s'assoit comme un petit malheureux. Comme un petit malheureux. Il s'assoit sur ses petites pattes arrière, il nous attend. Ouais. Oh lolo, t'es malheureux, Albus. Et non, parce qu'en fait, il sait qu'on va sortir. Et il est trop impatient. Et du coup, il est impatient. C'est bon, je me suis rhabillée. Tu veux ton petit jouet? Tu t'es rhabillée? Oui, parce que je me change tout le temps quand tu rentres à la maison. Je voulais juste montrer ça. Ça, c'est ma petite sœur qui a cousu ça pour Albus. Et c'est absolument trop chou. Genre, elle l'a fabriqué avec ses mains, quoi. Ouais, il adore.
Albus. Pourquoi tu l'as acheté comme ça? Je sais pas. J'ai remis mes boucles d'oreilles. J'ai remis mon petit t-shirt long. Basket et chaussettes. Bon, je vous retrouve là où je vous ai retrouvé ce matin, c'est-à-dire dans ma salle de bain. Je me suis démaquillée, j'ai enlevé mes tresses et je vais faire comme ce matin mes soins avec vous. Je vous ai pas pris à la balade parce que on a croisé, comme vous avez vu sur les images, un petit braque, un autre bébé braque, et on n'en croise pas souvent. C'était un braque du bourgonnais, donc j'en avais jamais vu et c'est trop beau. C'était une femelle, elle était trop mignonne, hyper gentille. En fait, c'était trop bizarre parce que on avait l'impression de voir Albus dans ses mouvements et tout, enfin dans sa façon de jouer, dans sa façon de bouger et tout. On avait l'impression de voir Albus, donc c'était trop mignon. De toute façon, si vous avez un chien, vous savez que quand vous croisez des maîtres qui ont un chien qui a la même race que vous ou qui sont cousins quoi, vous faites que parler de ça, donc voilà. Donc bon, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a fait plaisir de voir Albus. Je sais que j'ai eu pas mal de commentaires en dessous des vidéos avec Albus qui disaient que vous aimeriez voir comment ça avance, etc. Donc j'espère que ça vous fait plaisir de voir cette vidéo et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ou si vous voulez voir des vidéos en particulier avec lui ou juste sur la chaîne de manière générale, et je les ferai avec plaisir. En tout cas, normalement, là le rythme des vidéos va revenir à la normale, donc je suis hyper contente, j'espère que vous aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui regardaient mes vidéos et qui sont pas abonnés à la chaîne, donc abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et ça fera aussi plaisir à Albus. Et voilà quoi, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo et on se revoit très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.